beaucoup de personnes encore, on va attendre un petit peu puis on va commencer le cours. Alors, est-ce que tout le monde est là? Je ne sais pas. C'était le mauvais micro, Julia, c'est pour ça. Le classique, deux micros, je prends le mauvais. Alors, bonsoir ou bonjour Julia, Émilie, bonsoir, bonjour Curtis ou Samantha, bonsoir, bonjour Classis, bonjour, bonsoir Cosmina Bellou, bonsoir Ashley, tout le monde est là. Bah écoutez, on va voir, en tout cas, il y a... Ben, y a la fine équipe qui est là, en tout cas, Michel est là, bonjour, ben, écoutez, on va commencer comme d'habitude, vous allez m'écrire une petite phrase pour regarder, imaginez la suite, le téléphone sonne, et quelle surprise, on me dit que, à vous d'imaginer la suite. Ice Cubes, bonjour de nouveau, s'il vous plaît, imaginez la suite de cette phrase. Le téléphone sonne et quelle surprise, on me dit que... Allez, je vous donne une minute et après on va lire. Alors, Lévi Mendoza nous rejoint. Bonsoir, c'est beau. Bienvenue, Lévi. S'il vous plaît, écrivez la suite de cette phrase. Merci. Oh, je suis content, Abir est là, elle ne me déteste pas, merci Abir, merci. Alors, regardons vos réponses, puisque Curtis est le premier à nous avoir répondu. Le téléphone sonne, dit-il, et quelle surprise, on me dit que j'ai gagné un voyage à Paris. Ben ça, c'est vrai que ça pourrait être sympathique. On sent quand même, Curtis, que vous avez envie de voyager, vous avez envie de sortir de chez vous, et c'est normal. Cosmina Bellou nous dit, on me dit que...
j'hériterai de la couronne d'un royaume. Faites attention, on va hériter de quelque chose. Très bien. Bah écoutez, félicitations en tout cas. Julia nous dit, le téléphone sonne et quelle surprise, on me dit que sa fille est rétablie et quitte l'hôpital. Eh bien oui, elle est rétablie, elle quitte l'hôpital. Youpi! Classis nous dit, oh non, qui est là maintenant? Je veux faire ma classe de français. D'accord, faites attention, Classis, vous êtes une puriste et vous voulez mettre le verbe vouloir à la forme correcte. Et quand vous conjuguez vouloir à la première personne, vous écrivez VEUX. Voilà, je veux faire ma classe de français. Bekert, bonjour, bonsoir. On me dit que c'est la... Ah, les jours de la quarantaine sont finis. Hein, et là, Bekert, vous sortez, youpi! Vous faites la fête, j'imagine. Alors, Michel nous dit, nous avons trouvé votre petit chien se tenant debout sur la carapace d'une tortue qui nage dans la mer. C'est vrai que ce serait intéressant à voir, et surtout une belle photo à faire. Ashley nous dit, alors vous voudrez peut-être vous asseoir, êtes-vous assis, d'accord, préparez-vous, vous avez gagné, alors je me réveille. Non, peut-être que vous pourrez gagner. Ashley, pour gagner, il faut jouer. Donc, si vous voulez gagner, il faut que vous jouiez au loto ou à je ne sais quel jeu. Ice Cubes nous dit, le téléphone sonne et quelle surprise. Eh oui, on me dit que je gagne. Là, faites attention, Ice Cube, c'est féminin, loterie. La loterie, on peut dire, en France, on utilise plutôt le loto que la loterie. La loterie nationale, c'était le nom, mais maintenant on dit le loto. Victoria, bonjour Victoria, vous pouvez faire l'exercice. Ice Cubes nous dit, mais probablement c'est un app. Ah, oh, réellement, j'ai oublié mon téléphone chez moi ce matin. Eh bien voilà, si vous avez oublié votre téléphone chez vous ce matin, Ice Cubes, personne ne va vous appeler et vous déranger. Émilie nous dit, le téléphone sonne et quelle surprise. On me dit que je n'ai plus de travail à faire aujourd'hui. Pourquoi doit-on nous donner plus de travail qu'à l'école? C'est terrible, quoi, Émilie? Est-ce que vous travaillez beaucoup, peut-être? Prenez le temps. Vous avez la nature. Prenez le temps de sortir et de vous promener avec les animaux, etc. Judith, bonjour. Participez au cours, s'il vous plaît. Alors, Victoria, le téléphone sonne et quelle surprise. On me dit que je peux sortir et finir. Mettez l'infinitif, la quarantaine. Alors, I just called, qui nous dit? Donc le téléphone sonne et quelle surprise. On me dit que votre demande a été approuvée. Ah, alors là il y a un mystère, hein? On ne sait pas quelle demande. I just called ne veut pas nous dire quelle est la demande. D'accord, bah écoutez, pas de problème. Est-ce que tout le monde, j'imagine que tout le monde a dit, Abir, on me dit que vous êtes recruté. Ouais, félicitations, Abir. Super. Faites attention, Abir, vous êtes recruté. En fait, comme c'est ce qu'on appelle un passif, c'est-à-dire que vous utilisez être et après vous mettez le participe passé. Ça veut dire que recruter, vous allez mettre le féminin à la fin de recruter. Okay? Vous rajoutez juste un E, on ne prononce pas, mais vous allez écrire recruter, RECRUTE, E accent aigu, E. Okay? Et ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je suis persuadé, tout ira bien. Ok, on y va, tout le monde est prêt maintenant, j'ai l'impression. Vocabulaire, comme d'habitude, décrivez la scène. Merci. Oh, excusez-moi, Hic nous a écrit, le téléphone sonne et quelle surprise, on me dit que le Corona n'existe plus. Ah oui, ce serait sympathique ça. Ashley, je sais qu'il aime bien mes photos. Ça me fait plaisir de trouver des photos qui vont plaire à Ashley. Thank you.
Julia avait écrit des fantômes. C'est pas vraiment une phrase, mais bon. Émilie nous dit, il y a deux personnes sur la photo qui ont l'air de passer une journée de détente au spa. Elles portent toutes les deux un masque facial. Félicitations, Émilie, comme d'habitude, c'est très bien écrit. Ice Cube, ce qui nous dit, c'est une image de femme depuis le bal de l'école. Ice Cube voulait dire après le bal de l'école ou pendant le bal de l'école? Après peut-être, c'est ce que vous voulez dire? Je ne sais pas, il faudra développer Ice Cube. Écrivez votre phrase encore une fois pour expliquer. Alors, Michel nous dit, deux femmes de la ville essaient de se détendre quelques heures au salon de spa. D'accord, c'est Monta qui nous dit, il y a deux femmes bénéficiant d'un soin du visage au salon de beauté. Eh bien, écoutez, c'est bien écrit aussi, Judith, ils ont un masque pour être belles. Alors, faites attention, Judith, si vous dites ils comme sujet, ça veut dire que l'adjectif à la fin doit être beau, BEAUX. Si vous voulez mettre le féminin, dans ce cas-là, le sujet c'est LELLES. Et après, votre adjectif c'est belle, BELLES. D'accord? Merci, Ashley. Ceux-ci vont sur mes yeux ou dans ma bouche. Avec une sauce vinaigrette, peut-être. Hic nous dit, il y a deux femmes qui prennent. Faites attention parce que ici, vous voulez utiliser hic, le pronom relatif, qui est le sujet qui. QUI prennent soin d'elles-mêmes. Soin, pas de S, hic. Bekurt nous dit, des personnes sont fin le masque pour belle avoir. Bekurt, j'ai du mal avec votre phrase. Je ne suis pas sûr ce que vous voulez dire. Essayez de changer la phrase, Bekurt, s'il vous plaît. Victoria nous dit, ils sont en train de faire avec un E un masque facial de concombre. Très bien. I just called nous dit, il y a deux fils. I just called, quand vous dites fils, ah, deux filles, 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 féminin, appliquant un masque facial. C'est parfait. Classis nous dit, deux femmes sont passées un jour dans le salon de spa. Faites attention, Classis, ça c'est votre erreur personnelle. Il ne faut pas utiliser le verbe être. Deux femmes passent. Hein, c'est systématique. Je vais faire la guerre à cette erreur, Classis. Donc deux femmes passent un jour dans le salon de spa. La femme de ma gauche est fait mal avec sa concombre. Ah, vous voulez dire qu'elle a des difficultés, peut-être. La femme de gauche a du mal avec son concombre ou ses concombres. Pranjal Pandey nous applaudit. Merci. Participez, s'il vous plaît. Julia, après la manicure, les deux filles sont sorties sur la terrasse, WSE, et ont mis la noix de coco féminin avec du concombre, CONCOMBRE, sur leur visage, plus que face, parce que c'est bon pour la peau, ou c'est bien pour la peau. Berilla, bonjour, nous dit, elles font leur propre spa avec du yaourt et du concombre. Elles veulent se débarrasser des cernes sous leurs yeux, c'est parfait. Julia, face, visage, ouais, visage, hein, comme j'ai expliqué, plus que face. Bekurt nous dit, pour avoir une belle femme, merci Vincent. Ok, là j'ai pas compris, Baker. Cosmina Bellou, nous avons une métaphore. Aha, attention, on ne voit rien,
On n'entend rien, mais... Ah pardon, nous ne nous soucions de rien. Ça, c'est pas mal, hein, Cosmina Bellou. Une belle métaphore. On ne voit rien, on n'entend rien. Nous ne nous soucions de rien. Oh! Alors, méditons sur ces paroles de Cosmina Bellou. Merci beaucoup. Méron nous rejoint. Bonjour, Méron. Bienvenue dans le cours. Alors, tout à l'heure, on m'avait demandé de faire... quelques dictées de phrases. Alors attendez, parce que techniquement, comme d'habitude, j'ai des difficultés, vous le savez. Alors, on va faire des dictées de phrases. Je vais dicter une phrase et vous écrivez cette phrase. D'accord? Je vais juste lire la phrase deux fois. Attention, première lecture. Il sera seul dans la maison. Deuxième lecture, il sera seul dans la maison. Vous avez une minute pour écrire la phrase, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble. Alors, attendez, normalement, si je clique, hein, ça devrait marcher, mais ça, c'est toujours un mystère. Et voilà. Regardez, regardez. Donc, il, ça, je pense que tout le monde l'avait plus ou moins trouvé. J'avais vu un L, je ne sais pas qui. Ouais. Mounsif Agdiou. Attention, c'est pas L, mais c'est vraiment il. D'accord. Qu'est-ce Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Non, je crois que tout le monde avait entendu il. Non, ic, faites attention, ic aussi, c'était pas elle, mais c'est il. D'accord? Deuxième partie, on était sur. Oups, ah ben voilà, regardez. Ah ouais, d'accord. Le classique. C'est toujours le classique avec mes histoires. Une petite seconde, puisqu'effectivement. Ici, il faudra que nous revenions à cette petite partie ici. Voilà, je vais mettre les transitions. On va cliquer comme ça marchera mieux. Donc, revenons à notre phrase qui était ici. La deuxième, c'était le verbe être. Et donc, c'était au futur. Et donc, c'est sera. Je crois que tout le monde l'avait trouvé. Ice Cube avait mis serait. Faites attention, vous entendez vraiment la différence entre sera, a, et serait, e. D'accord? Donc vous avez écrit serait, il serait, et là c'est le conditionnel. Okay? Moi j'avais utilisé il sera, a, et là c'est le futur. Donc il sera seul dans la maison. Seul, on est d'accord que c'était le masculin puisque le sujet c'est il. Hein? Donc si c'est il, l'adjectif doit être au masculin. Si c'est elle, ben, ce serait au féminin et ce serait une autre histoire. Donc là, ça a marché. Maintenant, on va regarder le deuxième, en tout cas, ou la deuxième phrase. Attention, la deuxième phrase, première lecture. J'avais une fille. Deuxième lecture, j'avais une fille. Allez-y. Mmh.
Alors, Anas El Ghazali, attention, Javet, c'est avec un S. Avec un S, je regarde les réponses des autres. Tout est bien. bah, sauf Julia qui dit j'y vais, infille. Alors, il n'y a pas grand-chose de correct hein, dans cette phrase. Je pense que tous les autres ont à peu près trouvé. Regardons, regardons. Et donc, on va cliquer là. Et regardez, bien sûr, c'était comme ça. Donc, c'était le verbe avoir ici. À l'imparfait, j'avais une fille. Nous sommes d'accord. Donc, là, pas de problème. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, la troisième phrase. Et la troisième phrase, attention. Première lecture. Elle était plus grande que lui. Deuxième lecture, elle était plus grande que lui. Allez-y. Alors, Ever Chavala qui dit qu'il déteste ça. Oh, apparemment, il n'est pas très heureux. C'est pas grave, on va changer d'exercice après. Pas de stress, Ever. Tout va bien, tout va bien. Alors, regardons vos réponses. Elle était plus grande que lui, d'accord? Pas de problème. Anas, faites attention. Ouais. Anas El Ghazali mettait bien le féminin. L'idée, c'était l'avoir le féminin. Okay? Regardons les réponses. Berilla, faites attention, Berilla, c'était le féminin aussi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, on va faire comme ça. Bekurt, c'était... Faites attention, ouais. Regardez, je vais vous donner la phrase et je vais la lire avec vous. Regardez la phrase. Voilà. Elle était plus grande. Et on prononçait bien le E à la fin. Judith, faites attention, c'était le féminin. Donc quand vous commencez, Judith, avec elle, l'adjectif doit être au féminin grande. Hein? Ravidja, c'est pareil. Elle était plus grande que lui. Je regarde les réponses. Victoria, c'est bien, pas de problème. Je crois que tout va bien. Ashley, j'ai pas vu votre réponse, mais j'imagine que... si, 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 d'accord. Elle était... Faites attention, Ashley. Elle était avec un T pour... phonétiquement, c'est la même chose, mais vous écrivez AIT. Elle était plus grande que lui, d'accord, pas de problème. Alors regardons maintenant la quatrième phrase. Attendez, première lecture. Elle a l'air calme. Deuxième lecture. Elle a l'air calme. Allez-y. Alors regardons, puisque je vois qu'Ashley a écrit la première version, et bon, il a fait co la correction après, c'était parfait, elle a l'air calme, Julia c'est très bien, Anas c'est bien,
Curtis, parfait. Emily, pas de problème. Mounsif, très bien aussi. Michel, c'est parfait. Classis, très bien. Meron, c'est bien aussi. Hic, pas de problème. Mon Dieu, mais tout le monde écrit parfaitement. Victoria, bravo. Beckert, presque, presque. Vous étiez trop généreux, Beckert. L'air, c'est AIR, ok? Mais c'est presque parfait. Berilla, idéalement, Berilla, elle a espace. L apostrophe. Hein. Abir, c'est parfait. I just called, presque parfait. Regardez, I just called. Ah, excusez-moi. Attendez. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Comme ça, vous verrez la correction en même temps. Elle a l'air calme. Ensuite, Mohamed, Mustapha, c'est bien. Judith, c'est bien. Michel, c'est bien aussi. Bien sûr, ça bouge. Je vous dis, c'est une drôle de machine. Ravidja, c'est bien. Michel, Rémi, attention, attention, elle a l'air, elle apostrophe. D'accord? C'était juste bizarrement positionné. Ensuite, alors, si j'arrive à contrôler la machine, ce sera une performance. Attention! Première lecture. Il n'a rien fait. Deuxième lecture. Il n'a rien fait. Mais c'est incroyable, incroyable réactivité à la dictée. Vous aimez ça? Je ne savais pas. Je me disais, est-ce qu'ils vont aimer ou pas? On m'avait demandé, j'ai dit pas de problème. Émilie, c'est parfait. Abir, c'est bien. Monsif, c'est bien. Hic, très bien. Je regarde. Quand il n'y a rien à dire, je ne dis rien. Attention, Ravidja. Ravidja, regardez. Alors, c'est la même chose. Je vais vous le mettre ici. Il n'a, et c'est comme ça, une drôle de souris, rien fait. Faites attention, c'est FAIT, puisqu'ici c'est le verbe faire au passé composé. Il n'a rien fait. Classis, c'est bien. Michel, pas de problème. Victoria, attention, la même chose, c'est le verbe faire au passé composé. Il n'a rien fait. Hein, il a fait. Il n'a pas fait, il n'a rien fait. Mohamed Mustapha, c'est la même chose. Attention, c'est il n'a rien fait. FAIT. Ok, c'est le passé composé. Baker, c'est bien. Save the best, c'est bien. Et Ravidja, vous avez corrigé. Ben, c'est parfait. Alors, regardons la phrase suivante. Alors, la phrase suivante, attendez. Oui. Première lecture. Je ne comprendrai pas cette question. Deuxième lecture. Je ne comprendrai pas cette question. Allez-y. Thank you.
Alors, comme vous réagissez très rapidement, on va prendre le temps de regarder. J'accepte en fait deux versions. J'accepte la première version que Ashley nous propose, AIS, puisque c'est le conditionnel présent. Mais j'accepte aussi certaines versions que vous me proposez qui sont AI, puisque c'est le futur simple. Dans les deux cas, c'est possible. Phonétiquement, c'est la même chose. Hein, Ashley propose la question futur ou conditionnel. Phonétiquement, Ashley, c'est pareil. C'est-à-dire que les deux sont acceptables pour l'écriture comme ça. C'est une question de contexte pour savoir si c'est le futur, si c'est le conditionnel. Par contre, alors attendez, Anas El Ghazali, faites attention à votre terminaison parce que c'est comprendrait AI ou AIS. Mounsif Agdiou, c'est pareil, comprendrait futur ou conditionnel AI ou AIS. Berilla, c'est la même chose. Alors attendez, on va faire comme ça. Berilla, c'est la même chose. Regardez, moi j'avais mis ici, c'est le conditionnel, mais ça pourrait être le futur. Donc AI ou AIS, pas de problème. Michel nous propose le futur, c'est tout à fait acceptable. Donc nous sommes d'accord, ce sera soit AI ou AIS. La phrase suivante, attention, première lecture. Il me faut parler à quelqu'un. Il me faut parler à quelqu'un. Allez-y. Alors, attention, Classis. Classis avait écrit: je ne comprenais pas cette question. Mais en fait, la forme, c'était: je ne comprendrais, comprendrais et pas comprenais. D'accord? Faites attention, Classis. Alors, regardons. Donc, je pense que la plupart d'entre vous a trouvé. Il me faut parler à quelqu'un. Faites attention, Cosmina Bellou, quand vous écrivez quelqu'un, c'est quelque, comme vous avez écrit, mais après, c'est apostrophe UN. I just called, c'est la même chose. Quelqu'un, UN à la fin. Hein, c'est quelque un. Un, c'est vraiment le. UN. Ravidja, c'était bon. Emily, pas de problème. Beckert, faites attention, Beckert, il me faut. Après, vous mettez l'infinitif. Hein, parler, ER. D'accord? Ensuite. Berilla, c'était. Ouais, c'était bon. Ravidja corrigeait. Meron, il me faut parler à quelqu'un. Pas de problème. Michel, il me. Faites attention, Michel. Il me. Michel Rémy, pardon. Hein. Il me faut parler à quelqu'un. Julia, c'était pas clair parce qu'elle parle en anglais là. Mounsif, il me faut parler à quelqu'un, d'accord. Judith, il me faut parler. R, s'il vous plaît. Et puis, quelqu'un. Ouais, regardez, Judith.
Q-U-E-L-Q-U apostrophe U-N. Mohamed, ouais, Mohamed, faites attention, il me faut parler ER. Victoria, Victoria, quelqu'un, regardez, Q-U apostrophe U-N. Berilla, il me faut parler. Faites attention, c'était pas il ne, mais c'était il me. Alors attendez, je vous le mets ici à l'écran, si ça fonctionne bien sûr. Ouais, regardez, il me faut parler à quelqu'un. Sinon, je pense que pour les autres, c'était à peu près clair. Il me faut parler à quelqu'un. Ravidja demande quel est le sens de cette phrase. Vous avez la traduction à côté. C'est une forme impersonnelle. Hein. Vous pouvez dire je dois parler à quelqu'un, mais si vous l'utilisez avec cette forme-là, c'est une forme impersonnelle, tout simplement, mais c'est synonyme. Classis qui nous dit pourquoi pas, je ne comprends pas cette question dans le présent. Comprendrait est le conditionnel fait de sens à moi. D'accord. Oui, la traduction peut-être était un petit peu, était au présent probablement, Classis. Excusez-moi s'il y avait une erreur de traduction en anglais. Mais l'idée c'était d'avoir le conditionnel ou le futur. Hein. Là c'était une histoire une histoire de dictée. Alors, très bien. Ensuite, nous allons continuer. Regardez, on va arriver à cette phrase. On a encore trois phrases. Attention, la phrase qui vient, c'est je me souviendrai de quelque chose. Je me souviendrai de quelque chose. Alors, regardons, là vous allez encore probablement me détester parce que vous allez me dire, ah Vincent, c'est possible d'avoir deux terminaisons. Mais oui, c'est vrai, c'est possible parce que nous avons la forme je. Alors ici, je vous propose le conditionnel présent. Mais quand je lis comme ça, on peut très bien écrire le futur. Certains ont écrit le futur, AI, pas de problème. Nous sommes d'accord, je me souviendrai, donc AIS ou Abir nous dit AI, pas de problème. Quelque chose, faites attention, Beckert, quelque chose, on n'écrit pas comme ça. Alors attendez, je vais vous le mettre à l'écran. Voilà, comme ça vous le voyez, je me souviendrai de quelque chose. Regardez comment on l'écrit. Judith, faites attention pour l'ordre des lettres, souviendrai. Hein, c'est le V et le U qui ont changé d'ordre, Judith. Mais pas de problème. Sin, si tu, bonjour, je me souviendrai de quelque chose, c'est parfait. Save the best, faites attention. Souviendrai, regardez. Je me souviendrai, donc Souviein, et ça continue. Ah oui, pardon, excusez-moi, vous avez corrigé après. I just called, c'était correct. Mohamed, je me souviendrai de quelque chose, c'est parfait, Mohamed. Marwa qui nous rejoint, bonjour Marwa. Faites attention, Marwa, avec le verbe se souvenir. Hein. Se souvenir, c'est souviendrai. Donc Souviendrai. Et alors j'avais expliqué que ici j'accepte le futur AI
ou le conditionnel AIS, puisqu'on les prononce de la même façon. D'accord? Très bien, donc Ashley nous dit l'AS. Oh là là, souviendrait, nous dit Yulia. D'accord. Bah écoutez, ça, c'est des choses qui sont entre vous deux. Alors, continuons avec la phrase suivante. Nous avons deux phrases qui nous restent. Et on y va. Attention. Numéro 1, première lecture. Je pense qu'il l'adorera. Deuxième lecture, je pense qu'il l'adorera. Très bien, Classis, nous vous quitter. Au revoir, Classis, et bonne journée. Faites attention, virus, mettez votre masque, protégez-vous. Alors là, je dois dire que je ne comprends pas. Alors, tout le monde me propose le verbe et c'est pas correct. Alors, écoutez bien, le verbe, nous sommes d'accord que c'est le verbe adorer. Et écoutez-moi quand je vais juste prononcer la forme du verbe. Adorera. Je ne vais pas prononcer ce que vous avez majoritairement écrit. Vous avez écrit adora. Et si vous écoutez bien, je prononce une sorte de double R. Adorera. Ra. Ça dure plus longtemps. Ça veut dire que peut-être. Peut-être que comme Vincenzo Ferruli, youhou, nous le met, c'est le futur. Alors, oui, c'est le futur. C'est le futur. Regardez, Marois l'a trouvé aussi. C'est pas le passé simple. Hein. Alors, oui, Cospina Bellou nous dit, il adora, c'est le passé simple. Mais j'ai pas prononcé il adora, j'ai prononcé il adorera. Et si vous entendez, et ça c'est vraiment compliqué, parce que je ne prononce pas il adorera, parce que on ne prononce pas comme ça. On prononce comme si vous aviez un double R. Il adorera. C'est un tout petit peu plus long, d'accord? Et là, vous entendez que c'est, attendez, je vais cliquer, et là ce sera plus clair, c'est regarder le futur. Ok, je pense qu'il l'adorera. Voilà, Michel l'a bien écrit. Bon, bah, Julia veut faire la révolution, mais c'est pas grave. Ensuite, Judith est contente, mais je vous en prie, Judith, c'est mon plaisir. Regardons, Berilla. Donc oui, Berilla nous avait mis le passé simple. Comme la majorité d'entre vous, faites bien attention, c'est vraiment pas un passé simple ici, c'est le futur, d'accord? C'est adorer plus a, mais le e phonétiquement disparaît, adorera, d'accord? Allez, ne me détestez pas, c'est juste mon travail. Regardez, je vous donne maintenant la dernière phrase, donc deux lectures comme d'habitude. Première lecture, attention, il me le donnera. Deuxième lecture, il me le donnera.
Alors, Ashley pose la question, Adora, ça veut dire quoi? Oui, alors Ashley, Adora, en fait, c'est du passé simple. Et si vous regardez, donc c'est un temps du passé. Et en général, on l'utilise dans la littérature ou on l'utilise aussi dans les livres pour enfants. Donc c'est tout simplement pour dire adorer au passé et en général quand on raconte une histoire. Quand on parle, Ashley, on utilise très rarement le passé simple maintenant. Maintenant, on utilise plutôt le passé composé ou l'imparfait. Bon, donc on était toujours là aussi, on est d'accord qu'on est toujours dans le futur. Et dans le futur, regardez, je vais cliquer, et normalement on le verra, oui. Donc j'avais envie de mettre le me ici. On a une structure avec, regardez, c'est intéressant parce qu'on a trois pronoms à la suite. On a le pronom, donc le sujet, il. Hein, après, vous avez le complément d'objet indirect, me, le pronom. Après, vous avez le pronom complément d'objet direct, le. Et vous finissez avec votre verbe. Il me le donnera. D'accord? Vincenzo a qui a envie de se faire plaisir et qui met la forme négative. Pourquoi pas? Effectivement, c'est intéressant parce que vous voyez que le ne et le pas sont avant les pronoms et après le verbe. Faites attention, Judith. Judith, vous avez mis il me le donnerait. Alors, si vous écoutez, hein, j'avais bien prononcé le A, hein, il me le donnera, d'accord? Donc c'est pas possible ce que vous avez noté. Ça pourrait être possible phonétiquement avec un T, ce serait le conditionnel, mais là c'était le futur. Donc il me le donnera. Là il n'y a pas de problème. Je pense que tout le monde l'a mis. Pas de problème. Donc c'est bien. On essaiera de faire des dictées un petit peu plus régulièrement peut-être. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous la parole. Et si finalement je décidais de... Allez, impressionnez-moi avec toute votre créativité. Et si finalement je décidais de... Vous avez une minute. Thank you.
Alors, regardons ce que vous me proposez. Vincenzo est le premier. Et si finalement je décidais de... Et donc, il nous propose d'aller, hein, faites attention, vous mettez votre... une apostrophe, hein, donc des apostrophes, d'aller vivre... Ouais, d'aller... Donc, vous mettez pas de préposition, hein, d'aller vivre en France. Et là, c'est parfait. Mounsif qui me remercie, mais c'est moi qui vous remercie, Mounsif. C'est mon plaisir. Vincenzo, d'apprendre à reconnaître mes erreurs. Ouais, même chose, Vincenzo. Enlevez le E et mettez des apostrophes. D'apprendre. Alors attendez, faut pas que ça aille trop vite. Bekert nous dit, je décidais de faire. Oh, Bekert, j'ai du mal à comprendre. Alors attendez, je décidais de faire des exercices de français toute la journée, tous les jours. Je ne sais pas trop ce que vous voulez dire. Peut-être tous les jours, c'est probablement ce que vous voulez dire, Bekert. Donc tout, T-O-U-S, les, L-E-S et jour, J-O-U-R-S. Michel nous dit, et si finalement je décidais de disparaître dans la jungle de Panama. Bah oui, faites attention. Prenez votre chien, mais il faut protéger votre chien parce qu'il y a probablement des animaux sauvages là-bas. I just called nous dit, si finalement je décidais d'arrêter, ouais, des apostrophes, arrêter de trop penser. Ouais, alors penser, regardez, I just called, on écrit P-E-N-S-E-R. Ok, penser. assez difficile d'arrêter de trop penser. J'ai le même problème que vous. Ashley, et si finalement je décidais d'aller au Plumard? Alors oui, Ashley, le Plumard, nous pouvons expliquer pour les autres que c'est tout simplement pour parler du lit. Un Plumard, c'est un lit, donc Ashley veut aller dormir. Parce qu'il est très tard pour lui. Il est 6 heures. Ensuite, qu'est-ce que nous avions? Mon Dieu, alors attendez. Anas nous dit, continuez à étudier le français avec vous. Ben, c'est gentil. Le français, c'est masculin. Faites attention, Anas. Judith, faire encore des exercices jusque... Nous avons la quarantaine, d'accord. On va faire des exercices en permanence, Judith. Julia, et si finalement je décidais de faire quelque chose, faire avec un E, quelque chose d'utile, des apostrophes utiles, je le ferai juste un R pour le futur en fait. Cosmina, et si finalement je décidais de me battre contre tout le monde? Oh, très bien. Comme Jeanne d'Arc. Sin Situ qui dit merci beaucoup, mais je vous en prie. Marois, et si finalement je décidais de sortir sans autorisation, je serais folle. Faites attention, Marois, quand on écrit folle, c'est FOLLE. Oui, et non, prenez l'autorisation. Prenez l'autorisation. Après, vous aurez une amende, et c'est pas bon, les amendes. Ravidja, je décidais de voyager seul. Je ne veux pas plus attendre n'importe qui. Ah ben d'accord. Seul, peut-être, est-ce que Ravidja, vous êtes une femme? Si vous êtes une femme, vous mettez le E à seul, d'accord? Si vous êtes un homme, c'est bien de le mettre comme ça. Victoria, et si finalement je décidais d'aller vivre, même chose, hein, aller vivre, pas de préposition. Et pour la préposition pour France, c'est en, souvenez-vous, hein, EN, en France. Il serait mon rêve de toute ma vie, VIE, mais je crois que ce ne sera pas possible. Mais si, Victoria, tout est possible. Tout est possible, Berilla. Et si finalement je décidais de revenir à toutes les conjugaisons pour répéter? Alors, Berilla, j'ai fait des vidéos incroyables sur les conjugaisons. Si ça vous intéresse, j'avais sélectionné les 400 verbes les plus utilisés dans la langue française et j'ai conjugué tous ces verbes-là aux 11
temps les plus utilisés dans la langue française. Et j'ai fait une vidéo pour chaque 11 ou 12, une vidéo pour chaque verbe, pour chaque temps. J'ai énormément de matériel pour vous si vous voulez. Mérode, et si finalement je décidais de faire du sport? Ça, c'est une bonne décision. Hic, et si finalement je décidais de pratiquer le français avec mes amis? Ça, c'est aussi une bonne décision. Ensuite, Michel, si finalement je décidais de marcher, ouais, marcher, Michel Rémy, ER, infinitif, dans la route toute seule. Toute seule, peut-être féminin, habillée, et si finalement je décidais de voyager partout dans le monde. Ça, c'est une bonne décision. Ravija, seule, oui, au féminin, donc avec le E, ok. Sin, situ, et si finalement je décidais de faire des exercices. Faites attention, exercice, on n'écrit pas comme ça. On écrit EXERCISES. Ensuite, Michel, et si finalement je décidais de faire le cours de français tout seul? D'accord, parfait. Alors, regardez, ça, ce sera le dernier pour aujourd'hui. C'est du vocabulaire, comme d'habitude. Décrivez la scène. Ça, c'est spécialement pour Ashley. Parce que Ashley, je pense qu'il est comme ça quand il dort. Bon comme un ange! Alors, regardons les phrases que vous avez commencé à m'écrire. Je vois Anas qui est la première à écrire. La fille dort avec sa poupée. Ben écoutez, c'est parfait, Anas, pas de problème. Abir nous dit une petite fille dort avec sa jeu. Ouais. C'est pas vraiment un jeu. Vous savez, Abir, un jeu, c'est quelque chose auquel on va jouer. Un jouet, peut-être, c'est ce que vous voudriez à utiliser. Ou alors une poupée. Mais un jouet. Utiliser un jouet avec son jouet. JOUET. Ce serait probablement la meilleure solution. Ashley qui dit, elle avait la même idée que moi. Ah, je ne sais pas qui, Ashley. Ashley veut dormir. Maintenant, c'est clair. Tout le monde le sait. Bonne nuit, Ashley. Restez encore une minute et puis après vous pourrez aller au lit. Vincenzo nous dit, il y a une petite fille qui, faites attention, qui dort. Donc vous allez conjuguer à Vincenzo votre verbe dormir et elle, c'est DORT, d'accord, dans son lit, c'est bien. Donc il y a une petite fille qui dort dans son lit. Julia nous dit, une toute petite fille a occupé du plumard d'Ashley, alors il ne peut pas dormir. Ben oui, mais il va dormir par terre, c'est un homme résistant, Ashley. Michel Rémy qui nous dit, c'est une belle fille, elle est comédienne, d'accord. Baker nous dit, une fille sur le lit ou sur un lit. Elle bande les yeux, elle rêve bien. D'accord? Faites attention parce que rêver, Beckett, c'est pas pronominal, hein. Donc elle rêve bien.
féminin toute la nuit. Toute, toute la nuit. Ravija qui nous dit, la petite fille mignonne finalement reste chez elle. Parfait. Mignonne, faites attention, entre le N et le O, il n'y a pas de I, d'accord? Mignonne. Judith nous dit, elle, faites attention, Judith, elle dort. Donc conjuguez juste le verbe dort, DORT, ok? Pas de verbe être. Elle dort avec doudou, avec un doudou, avec son doudou, comme vous voulez. Victoria nous dit, elle est heureuse de dormir avec son animal de compagnie. Ouais, faites attention, Victoria, son avec espace animal de compagnie. Michel nous dit, la petite fille rêve du jour où elle sera une maman d'une petite fille, d'accord? Finzark nous dit, une petite fille dort tranquillement pour toujours. Toujours un petit, un petit côté sombre hein, avec Finzark. Marois qui nous dit, l'enfant est en train de dormir tranquillement dans son lit. Bah oui, voilà, ça c'est formidable. Gabriela, une fille très mignonne, est en train de dormir. Il y a une petite fille qui dort. Alors attendez, Hic nous dit, il y a une petite fille qui dort, ça m'a donné envie de dormir aussi, d'accord. Victoria qui nous dit dormir avec son animal, d'accord. Berilla, une petite fille qui dort paisiblement, c'est parfait. Ben Maé, bonsoir trop tard. Il arrive à la fin. Une fille fait la sieste. D'accord. Cosmina Bellou nous dit, je pense que les enfants doivent dormir sans masque. Pour qu'il. Alors faites attention, Cosmina, on est obligé d'utiliser le subjonctif. Pour qu'il puisse, PUISSENT, sentir la lumière de la nuit, cet objet lui empêche les rêves, d'accord? L'empêche de rêver peut-être. Très bien, c'est gentil en tout cas et c'est bien écrit. Ice Cubes, elle dort comme un petit ange. Et Sin. Si tu nous dis la petite fille dort avec sa poupée rose. C'est fort ces mots nous dit c'est la fin et je dis oui c'est la fin pour aujourd'hui. Regardez, regardez, on remonte comme d'habitude. Donc c'était aujourd'hui mardi mais globalement demain. Mercredi, ce sera exactement la même chose, c'est-à-dire on va commencer à 10h, on fera les exercices en direct. 11h, peut-être, normalement, ce serait possible de continuer. Et le cours Zoom, ce sera à 4h, les exercices en direct ensuite à 5h, et les quiz automatiques, ce sera bien sûr à 6h et dans la journée aussi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment, vraiment très, très sympathique. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée et à bientôt. Au revoir.